La dernière édition de Rio Loco nous présentait les îles caribéennes. Cette année, le gros bateau musical jette l'ancre. Là, on est sur les terres, donc on s'est posé, on démarre du Suriname, Guyane, et on remonte tranquillement vers le Venezuela, la Colombie, vers l'Honduras, le Panama, le Belize, le Mexique. Donc c'est comme une boucle depuis mon arrivée 2011, on revient vers le Mexique, et puis cette étrangeté que l'espace Caraïbe, c'est aussi la Floride. La valise pédagogique de Rio Loco, ce sont les documents qui permettent aux animateurs de Claé, durant 6 mois, de faire comprendre aux écoliers la civilisation des Caraïbes. C'est assez unique, c'est un travail de... Voilà, si on fait une thématique, c'est que les enfants puissent s'approprier cette thématique, que ce soit dans la diversité, que ce soit la musique, que ce soit les arts visuels, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts du cirque. Et voilà, ils s'imprègnent, voire de la cuisine, pourquoi pas, ils s'imprègnent voilà, de ces différentes cultures. C'est ce qu'on leur propose pour qu'en fait, ils soient matures, en gros, pour le festival. On y trouve des livrets pédagogiques sur les différents points et les différents centres d'intérêt du festival Rio Loco. Et ils vont être, ces livrets pédagogiques, le support d'activités qui seront organisées dans les classes et dans les temps périscolaires avec les enfants du primaire et de la maternelle. La première étape pour les 80 écoles qui se seront inscrites, la découverte de la Guyane avec ses danses traditionnelles, du chamanisme, mais aussi une chasse aux clichés. Les grands clichés sur la Guyane, c'est que c'est un pays dangereux, que c'est un pays qui reste encore l'enfer vert qui a été décrit par Choiseul dans les années 1800. Et en fait, pas du tout. En Guyane, on a des voitures, on a des iPads, on a tout ce qui constitue aujourd'hui l'apanage de la modernité. Existe, tout ça existe en Guyane, qui est, je le rappelle, un département français, qui est sûrement le plus méconnu en France métropolitaine. Bref, la valise de Rio Loco contient un trésor que tout le monde peut partager, celui de la connaissance.